Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo, le premier épisode de ma nouvelle série d'achat-revente sur Futsal. Donc un road tout Marcelo Totti. Donc voilà les gars, avant de commencer la série, avant de commencer le premier épisode, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. De toute façon je vais envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires en espérant qu'ils me plaideront ma vidéo. Donc voilà. Donc les gars, avant de commencer l'achat-revente, on va s'intéresser au stade du Marcelo Totti. Donc voilà, il a une très belle carte avec un 89 en vitesse, 91 de dribble, 90 de défense, 88 de physique, 85 de passe et 75 de tir. Son prix se situe aux alentours, il est entre 300 000 et 320 000 crédits sur le marché des transferts. Et il bouge pas trop son prix. Donc avant de commencer l'AR, on va partir sur une base de crédit d'environ 7000, entre 5000 et 7000 crédits. Donc pour ça, on débloque dans le catalogue des maillots et les contrats à 99 qu'on met sur le marché des transferts. Les maillots et tout ça, on va discard, ainsi que les ballons. Donc voilà, dans le premier épisode, la technique qu'on va faire, c'est la tech bronze. Voilà, pour avoir une base d'environ, on va dire, 30 000 crédits. Comme ça, dans le prochain épisode, on pourra attaquer une nouvelle technique beaucoup plus efficace. Donc dans le premier épisode, hein, ça va pas être très animé. Je vais ouvrir des packs. Et ensuite je vais les mettre des joueurs et des consommables. Et aussi c'est tout. Les joueurs, les consommables et les soins sur la liste des transferts. Donc je vous rappelle rapidement la tech. Donc voilà, on ouvre un pack bronze. Ensuite donc les joueurs, on les met à 200. Les bronzes rares, on les met, on regarde ils sont à combien d'abord. Ensuite les cartes formes, on les met à 200, ça part direct. Les cartes entraînement équipe, moi je les mets aux enchères. Comme ça, ça peut partir un peu plus haut que le marché normal. Et les cartes soins, toutes blessures, je les mets à 200, ça part. Les cartes entraînement, entraînement de joueurs, faut les mettre à 550, ça part. 550, 600, ça part. Donc voilà, cette tech est vraiment très efficace pour avoir une belle base de crédit. Donc voilà, hein, je fais rien de très intéressant dans le premier épisode. Mais le deuxième épisode sera bien évidemment beaucoup plus animé hein, que celui-là, parce que je vais lister beaucoup plus de joueurs. Donc voilà, là on liste tous nos joueurs. Donc voilà, c'est les premières relances, donc c'est un peu plus long. Donc dans cette vidéo, il me semble que j'ai relisté 3-4 fois, et je suis allé réouvrir des packs 3-4 fois aussi. Je ne sais plus trop, j'ai oublié. Donc voilà, là mes trucs sont vraiment en accéléré, ça. Donc voilà, en 2-3 relances, on a fait 38 ventes, on est arrivé à 11 000 crédits, donc voilà. On va voir ce qu'on a vendu, donc beaucoup de joueurs, hein, principalement, avec des cartes formes aussi, et les joueurs irlandais qui marchent très très bien, parce que les gens veulent se faire des équipes irlandaises, donc voilà. Et aussi, cette technique peut marcher, parce que les gens veulent transférer leurs crédits, par exemple. Donc ils achètent les joueurs qu'on aura listés sur le marché, on a réouvert des packs, et ensuite on remet tout ça en vente. Voilà, tranquillement. Donc ensuite on aura déjà fait une vente. Donc voilà, prochaine relance. Donc on a fait 31 ventes. On arrive à 14 000 crédits. Ça monte petit à petit, ça monte. Donc voilà, on reliste nos joueurs tranquillement. On va refaire ça 2 ou 3 fois encore. Et donc voilà les gars, là on arrive à 17 000 crédits, j'ai pas eu le temps de voir, on a vendu combien d'éléments. Donc voilà, les formes c'est parti à 200, donc voilà, vous voyez que les formes ça part en une heure, hein, clairement. Et les Irlandais aussi, donc regardez bien les prix des Irlandais, parce que ça peut être très cher aussi sur le marché. Faut pas faire d'erreur de prix sur les Irlandais, ça serait bête de perdre, enfin de pas faire beaucoup de bénéf. Donc voilà, on a encore relisté une fois ou deux. On est arrivé à 20 000 crédits, on réouvre des packs, on reliste nos joueurs tranquillement. Et je crois que là, ça va être l'avant-dernière ou la dernière. C'est la dernière. C'était la dernière fois qu'on a relisté. Donc voilà les gars, dans cette vidéo, on aura commencé à 7 000 crédits. Et on aura terminé avec 28 982 crédits. Donc on peut arrondir à 29 000. Dans le prochain épisode, on va attaquer une nouvelle technique.
Donc je vous la présenterai dans le prochain épisode. Donc avec cette prochaine technique, on pourra se faire beaucoup plus de bénéf. Donc voilà les gars, j'espère que ce premier épisode du Road to Marcelo Tocci vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like si c'est le cas, partagez la vidéo. Je vous dis à la prochaine les gars pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.